Isabelle de Léa Belle Nursery. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme ci, comme ça. J'ai eu un petit pépin avec Monsieur Isaac. J'avais commencé à filmer la suite de mon vidéo. Je m'étais rendue assez loin. J'avais presque terminé, en fait. Puis, j'ai fait une erreur. J'ai mal dilué ma peinture. J'ai taché le kit. Bref, j'ai été obligée de stripper. Puis de recommencer. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ça arrive souvent dans le reburning. Des fois, on s'aperçoit à la toute fin que c'est pas ce qu'on souhaitait ou qu'il y a une erreur ou qu'il y a une tache de peinture quelque part. Puis là, ben, on est pris pour tout recommencer. C'est pas la première fois, puis ça sera pas la dernière. Je l'ai strippé plus ou moins bien. J'ai pas trop incité ces détails puis tout ça, parce que je vais peindre d'une couleur assez foncée de toute façon. Là, ce que j'ai mis à peu près 4-5 couches de rouge pour l'amener très rouge, parce que plus je regarde, plus que je vois, c'est un bébé démon plus qu'un zombie ou un vampire. Donc, je veux l'amener d'une teinte très rouge. Ma lumière n'est pas géniale, encore une fois. J'ai beaucoup de mal ces temps-ci parce que c'est vraiment pas beau dehors. Il neige, il pleut, c'est gris. Bref, c'est très difficile d'avoir une bonne couleur. Mais là, j'ai les mains toutes tachées. Ma table de travail est toute à l'envers. C'est vraiment... J'ai travaillé, écoutez, pendant 3 jours. J'ai travaillé puis j'ai filmé. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment... J'ai mis un rouge assez... assez intense. C'est un rouge, un mélange finalement que j'ai fait. J'ai du rouge là-dedans, j'ai du rouge de pyrrole, j'ai un petit peu de brun, puis j'ai, je pense que c'est ça ici, alizarin, crimson, cramoisi, bref, c'est une espèce de rouge rose un peu. Ça m'a donné un mélange assez foncé. Puis j'en avais une certaine quantité. Enfin, je me sers de ça pour mon rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Il y a des grandes parties du vidéo que vous allez probablement voir au ralenti parce que je vais essayer de tout faire entrer dans un seul vidéo pour pouvoir être prêt à l'album pour vous montrer le résultat final. C'est ça. Quand vous allez voir cette vidéo-là, probablement qu'on va être rendu à l'Halloween déjà. Je vais faire mon possible pour pouvoir terminer puis me mettre en ligne. Je ne sais pas si je suis capable de l'assembler dans un corps, là, mais je vais faire mon possible pour vous montrer le résultat final. Vous allez voir... un reborn alternatif, c'est pas plus facile qu'un reborn ordinaire. Hein? C'est vraiment, vous l'avez vu, j'ai strippé. C'est pas parce que c'est alternatif que c'est simple. Au contraire, c'est souvent plus compliqué. C'est souvent, c'est très satisfaisant, par exemple, parce qu'on peut vraiment se laisser aller à jouer avec les couleurs et à faire des choses complètement différentes, complètement folles qu'on ferait pas en temps normal. Donc, je vais accélérer certaines parties. Je vais quand même prendre la peine de vous montrer les couleurs que j'utilise puis où je les applique. Puis comme ça, ça vous donne une bonne idée de la transformation d'un kit à quelque chose de complètement fou, complètement différent. Thank you.
J'ai fait trois autres couches de rouge. Maintenant, je vais faire les creases, les replis. Puis par la suite, je pense que je vais faire ça. Je vais traiter un petit peu comme un reborn ethnique. C'est-à-dire, je vais laisser des ombres plus claires, des ombres plus claires. Puis faire des ombres à certains endroits du visage. Ça va donner un petit peu de définition parce qu'autrement, il va être rouge-rouge. Donc, pour ma couleur de crease, je vais y aller avec une espèce de rouge, rouge-brun, plus rouge que brun. On va essayer. Je vais voir ce que ça va donner. Je pense que je vais prendre une autre palette. Je salis toutes mes palettes, je ne les lave pas. Je vais essayer et on va voir ce que ça va donner. Je vais mettre du rouge ici. Peut-être du rouge avec du noir. Ça pourrait être pas pire aussi. Ouais, peut-être ça que je vais faire. Je mets toujours mon noir à part parce que une goutte, c'est beaucoup trop. Donc, il faut que je sois capable d'ajuster d'ajuster ma quantité comme je veux. C'est plus facile quand qui est à part. Il faut faire attention avec le noir parce que c'est une couleur qui tache énormément, énormément. D'après moi, ça va être trop rouge. Quelque chose de plus foncé. On va voir avec ça. J'ai pas rien mis d'autre que mon retardeur. On va y aller en arrière de l'oreille. C'est très, très, très rouge sang sur un pinceau. Ça fait rouge. Un petit peu plus de noir là-dedans. Je veux quelque chose de sombre. Peut-être bien rajouter une goutte d'eau histoire de m'empêcher que ça sèche trop vite. L'eau et le retardeur, c'est ce que ça prend pour les creases. Parce qu'autrement, si on rajoute du médium, plus de l'eau, plus le retardeur, ce que ça fait, c'est que ça fait des creases vraiment trop pâles. Il faut passer à peu près 15 000 fois. Puis ça prend absolument du retardeur parce que faut être capable de l'étendre. Capable de l'étendre le plus qu'on peut. Puis trop de retardeur, c'est pas nécessairement une bonne idée non plus pour la peinture, donc en mettant une goutte ou deux d'eau, on parvient à garder pareil une couleur assez sombre, assez foncée, puis ça empêche de sécher trop trop vite. Ça m'a l'air pas si pire. Il va falloir que je revienne après avec une couleur plus foncée sur certains plis que je veux vraiment rendre très très sombre.
J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, malgré que j'ai pas pu vraiment parler aujourd'hui de là la musique. Demain, je vais mettre en ligne le résultat final de mes deux reborn alternatifs, là, mon petit démon puis ce petit diable-là. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt.